Aujourd'hui, je voudrais te donner trois règles. Trois règles super importantes. Trois règles pour ne plus jamais aller à la pharmacie. Alors, tu es sûrement d'accord avec moi que la santé, finalement, il n'y a rien de plus important dans la vie. Et le truc, c'est que bien souvent, on ne s'y attache pas vraiment profondément, pas vraiment comme il faudrait, tu sais. Et pourtant, tout part de là. Que tu veux n'importe quoi que tu veux atteindre dans la vie, tout part de la santé. Sans la santé, tu n'as rien. Et quand tu as la santé, ça te donne même de la confiance en toi. Et c'est même pour te dire que même faire attention à ma santé, moi, ça m'a beaucoup aidé aussi dans la sortie de ma timidité, pour dompter ma timidité, pour dompter mes peurs. Parce que le jour où je me suis vraiment intéressé à ça, le jour où vraiment j'ai fait attention à ça, ben, pareil, j'ai pris confiance en moi parce que j'ai eu l'estime de moi, tu vois, que j'étais en train de faire attention à moi, de faire attention à mon corps, de faire attention à ma personnalité. Et ça, eh ben, ça te met dans un état d'esprit de conquérant, tu vois. Et grâce à ça, après, tu peux aller au-devant de toutes tes peurs. En tout cas, c'est le départ. C'est vraiment le départ. Sans ça, eh ben, tu n'es pas prêt, tu n'as pas assez d'énergie, par exemple, tu dors moins bien, donc qui dit dors moins bien, tu n'as pas assez d'énergie. Tout ça, tout se chevauche, quoi. Tout, c'est un engrenage. Sans la santé, vraiment, tu n'as rien. Donc aujourd'hui, je voudrais te donner trois règles, vraiment trois règles importantes pour ne plus jamais aller à la pharmacie, pardon. Et tu sais, parce que bien souvent, ouais, tu as des petits bobos, donc eh ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu fouilles vite dans ta pharmacie, tu vas vite en courant dans la salle de bain, voir si tu as un cachet pour le mal à la tête, un Efferalga, un Dafalga, un Doliprane, ce que tu veux, des paracétamol, de l'aspirine. Et donc, ben, c'est de l'automédication. Tu dis, ah, je prends ça et ben, ça va passer. Effectivement, ben, ça passe. Et jusqu'à quand? Ben, jusqu'à la fois d'après, quand tu as de nouveau mal à la tête, que tu as de nouveau un rhume. Et ça, eh bien, tout ça, sans faire attention, finalement, tu te retrouves à vite aller chez le médecin, à te retrouver malade pendant une semaine. Et le truc, c'est que tu te penches jamais vraiment sur les causes. Alors oui, tu te soignes vite avec quelques cachets, et en fait, ben, ça passe, mais ça passe pour un temps. Et ça revient, et ça passe, et ça revient. Et tu voudrais pas un jour que ça revienne jamais, que vraiment tu ne sois plus jamais malade. Moi, écoute, comme on dit, je touche du bois et tout. Mais depuis que je me suis vraiment intéressé à ça, eh bien, je n'ai plus jamais été malade. Je n'ai plus jamais été malade. J'ai plus de migraines, plus de maux de ventre, plus de rhume, plus d'angine, plus rien, parce que je me suis vraiment intéressé à ma santé et vraiment, je me suis dit que ça partait de là, tout part de là. Et comment faire donc pour s'intéresser à la santé? Eh bien, il y a un truc très simple. Il faut s'intéresser en priorité à ton alimentation. Ton assiette est vraiment le révélateur de ta santé. Tout ce qui se passe dans ton assiette, eh bien, c'est là où tout va se jouer. Tout va se jouer pour ta santé. Donc, du coup, comme je te disais, pour la confiance en toi, pour l'estime que tu as de toi et pour enfin sortir de timidité. On ne dirait pas comme ça, on dirait que je te dis n'importe quoi, mais sortir de ta timidité, eh bien, ça commence dans ton assiette. Ça commence parce que du coup, tu vas avoir l'énergie dont tu vas avoir besoin, eh bien, tu vas la trouver dans ton assiette. De faire attention à ce que tu manges, ça va te donner de l'estime de toi, la fierté. De faire attention, ne plus aller à la facilité de cette malbouffe, de ces fast-foods, de ces kebabs, tout ça. Vraiment, tu vois, tout part de là, tout part de ton assiette. Et pour ça, comme je te disais depuis le début, j'ai envie de te donner trois règles. Trois règles pour s'y retrouver. Parce qu'effectivement, quand on parle d'alimentation, quand on parle de nutrition, on a vite fait de se perdre. On a vite fait de se perdre dans toutes les informations qui nous viennent, dans quel choix faire. Alors, tu as ceux qui prennent le véganisme, tu as ceux qui prennent être végétarien, tu as ceux qui prennent manger paléo,
Tu as les régimes, alors tu as les régimes ducal, les régimes. Tu as vite fait de plus t'y retrouver. Et du coup, moi, j'ai essayé un peu de toujours à droite, à gauche, de chercher. Et je me suis un peu perdu, tu vois, là-dedans. Bon, maintenant, j'ai fait un choix d'alimentation un peu spéciale. Je t'en parlerai dans d'autres vidéos avec plus de précision. Mais en tout cas, aujourd'hui, je voudrais te donner les bases et vraiment les trois règles pour ne plus jamais aller à la pharmacie. Donc, première règle, de toute façon, c'est la plus simple. C'est de manger des vrais aliments. Des vrais aliments, c'est quoi? C'est des aliments que connaissait ta grand-mère. Tu vois? C'est pas de manger des filets de perdre d'odus, des cordons bleus perdre d'odus, des nuggets, des hamburgers, des kebabs, des sandwichs. Il faut que tu arrêtes avec ça. Il faut que tu manges de vrais aliments, des aliments entiers. Et pas de manger ces aliments ultra transformés là, que tu trouves en barquette, toutes prêtes. Ces pizzas surgelées, tout ça. Non, essaye de manger des vrais aliments. Voilà. Et de manger des vrais aliments, c'est quoi les vrais aliments? Eh bien, c'est tout simplement, c'est facile. C'est des animaux, c'est des végétaux et c'est des champignons. Voilà. Il n'y a pas plus simple que ça, tu ne peux pas te tromper avec ça. Aliments, c'est champignons, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais des champignons, tu en as énormément. Des végétaux, alors là, tout ce qui est légumes, de manger de priorité biologique et de saison, ça c'est très très important. Et les animaux, avec raison. Parce que ça, j'ai mis pour la deuxième règle, c'est de manger 80% de végétaux quand même. Parce qu'il ne faut pas trop abuser des animaux, que ce soit pour ta santé, même pour la planète, c'est important d'être raisonné là-dessus. Mais le plus important, c'est de manger dans ton alimentation que ton assiette, si tu t'imagines ton assiette, tu vois, eh ben, comme un camembert, ben, tu payes 20% à la longueur de viande, tout ça, et 80% de végétaux. Ton alimentation doit être constituée à 80% de végétaux. Et je te le rappelle, vraiment, le plus possible, en tout cas, d'aliments bio. Le bio, on ne dirait pas, souvent on te fait croire que c'est un argument publicitaire, un argument. Mais non, c'est très important le bio. Le bio, c'est très important pour toi, pour ta santé, parce que tu évites tout ce qui est produit mauvais pour toi, pour la terre et tout. Mais en plus, les aliments bio, les aliments naturels, c'est des aliments qui vont t'apporter le plus de nutriments possible, le plus de macronutriments, le plus de micronutriments. C'est eux qui sont le plus chargés. On dit qu'ils sont chers, mais non, ils sont un peu plus petits. Mais il vaut mieux manger une petite pomme comme ça, de la taille d'un pouet, qu'une pomme énorme, vide, qui est vide de sel, qui a rien. Il n'y a rien de nutritif là-dedans. Elles ont été bombardées à coups de pesticides, à coups d'engrais chimiques. Et du coup, elles t'apportent aucune valeur. C'est aucune valeur nutritionnelle. Donc il vaut mieux manger plus petit, mais des aliments qui t'apportent vraiment de la valeur nutritionnelle. Il n'y a rien de mieux que le bio. Et en plus du bio, tu prends des aliments de saison. Tu prends des aliments de saison. Au moins, du coup, tu es sûr en plus que ce n'est pas traité. Parce que c'est pas normal de se retrouver avec des tomates toute l'année. C'est impossible même. De faire des tomates toute l'année, c'est impossible. Donc du coup, si tu trouves des tomates toute l'année, c'est qu'elles ont été traitées quelque part ou qu'elles ont fait 12 000 km. C'est impossible. Voilà. Ça, c'était la deuxième règle. Donc, mange 80% de végétaux. Et la troisième règle, c'est de manger sans excès. Voilà. Que vite de te rendre compte, vite de t'écouter quand tu manges, de vite te rendre compte de ta satiété, que du coup, tu n'as pas besoin de te goinfrer. Ça date des hommes préhistoriques, tu sais. C'est notre instinct un peu, hein, de tout manger, d'ouvrir un paquet de galettes, de le manger en entier. Tu as 300 grammes de viande dans l'assiette, eh bien, il faut finir ton assiette. Depuis tout petit, on t'a dit, finis ton assiette et tout, c'est pas ta faute. C'est comme ça. Mais sache que, en fait, c'est pas si bon que ça de vraiment manger en excès. C'est vraiment pas bon pour la santé. Il vaut mieux que tu manges à satiété et que par exemple, tu peux goûter après. Entre deux repas, tu peux te faire une petite collation, tu te manges quelques amandes, par exemple. C'est bon, tu sais, les oléagineux, c'est très bon aussi. Il y a les noisettes, les amandes, les noix de cajou.
Tu peux te faire des encas avec ça, tu vois, et essayer de réduire tes portions, essayer de réduire tes repas. Donc pour résumer, première règle, manger que des aliments vrais. Deuxième règle, manger 80% de végétaux. Et troisième règle, manger sans excès. Rien qu'avec ces trois petites règles, tu n'iras plus jamais à la pharmacie. Après, il est à toi de toi-même de choisir une alimentation vraiment un peu plus orientée, un peu plus précise, avec un peu plus de recherche. Mais pour l'instant, déjà, respecte ces trois règles et tu verras que tu seras toujours en bonne santé et ça va te mettre de l'élan pour enfin passer à l'action, pour enfin mettre des actions en place, pour aller faire du sport, pour bien dormir. Et tout ça, c'est un engrenage, comme je te disais, qui vont te permettre enfin d'avoir l'estime de toi, confiance en toi et enfin peut-être sortir de ta timidité, en tout cas passer à l'action avec plus de facilité. Voilà, nous, tu sais qu'on se retrouve tous les jours ici. Donc, si tu veux t'abonner à ma chaîne ou aimer cette page, il n'y a pas de problème. Tu mets un pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Tu peux t'abonner, au moins tu rateras. Et plus particulièrement, tu peux t'inscrire dans mes contacts privés, où là vraiment tu rates rien de tous mes contenus. Et d'ailleurs, je t'encourage à le faire même, parce que dans pas longtemps, je vais créer quelque chose d'un peu plus intime, d'un peu plus privé, où là, ça ne sera pas fait pour tout le monde, il n'y aura pas beaucoup de place. Donc, ça sera gratuit, mais il n'y aura pas beaucoup de place. Je veux travailler vraiment au plus proche de toi, tu vois. Et pour ça, il faut qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Donc, ça se passe en dessous, tu t'inscris à mes contacts privés. Et tu seras renseigné en priorité. Ceux qui sont renseignés ici, ceux qui sont inscrits ici seront renseignés en priorité sur de mes futurs projets. Voilà, ça se passe en dessous. Sinon, voilà, moi ce que je te le dis, c'est sois l'auteur de ta propre vie et n'en sois pas le spectateur. Nous, on se retrouve demain.